Qu'est-ce qu'en pense ta famille Est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui t'est arrivé avec Matt Alors, ma famille était au courant de ce qui m'est enfin, arrivé avec Matt, puisqu'on avait le droit au téléphone en lune de miel, pas tous les jours. Mais vu comme j'étais mal, oui, j'avais pu appeler mes parents et leur raconter. Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé de faire Puisqu'en tant que parent, ça ne doit pas faire plaisir de... de savoir des choses comme ça. Euh, ben, mon père et ma mère m'ont dit de ne pas rentrer dans la polémique et de ne pas, euh, de ne pas répondre tout de suite. Et que si j'avais quelque chose à dire, euh, de le faire correctement parce qu'ils savent que je suis assez intelligente pour m'exprimer euh, euh, correctement, mais, mais pas de rentrer dans les, dans les réseaux sociaux. Déjà que je suis très discrète sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit, euh, continue dans ta lancée, continue à être discrète et à pas rentrer dans les, dans les débats et dans les petites gaguères, parce qu'ils sont tous en train de se casser du sucre sur le dos, et tu es la seule qui ne le fait pas, enfin, pas la... il y en a d'autres aussi qui ont leur vie, mais tu es une des rares qui ne, qui ne, qui ne rentre pas dans... Dans les débats ou dans les, dans les, dans les petites gaillards. Donc, je m'en dis, continue. Tu vas essayer de nous expliquer en détail ce qui s'est réellement passé avec Mathieu. Je sais que ça va pas être forcément évident. Mmh. Donc, je suis là pour toi. D'accord Tu me regardes, tu oublies <laughs> les caméras et on va se faire ça à la cool. D'accord Vraiment, ne te prends pas la tête. Non, je me prends pas la okay tête. Ok et... Alors, je sais qu'il y a eu une première expérience sexuelle. Avec Mathieu. Il n'y a pas de honte, il y a pas de tabou, on est tous grands, on fait ce qu'on veut avec notre corps. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, tu n'as aucune honte d'en parler. Non, du tout. Alors euh, j'assume totalement de ce qui s'est pas... enfin, passé. Je regrette, oui, mais je l'assume. Oui. C'est comme quelqu'un qui, euh, en soirée, couche avec la personne et le lendemain, elle se réveille et se fait Ah, j'ai fait une connerie. Je l'assume, oui. mais je sais que j'ai fait une connerie. Donc tu as regretté rapidement, dès le lendemain, oui. si dès je comprends lendemain. bien bah, même, même juste après, en fait. Ah, mais, d euh... Vous aviez bu alors oui, on avait bu, on venait de sortir de la villa. Du coup, euh, on était un petit peu choqués émotionnellement d'être partis en lune de miel aussitôt. C'est énormément d'émotions. Tout est démultiplié. Donc du coup, forcément, première sortie en dehors de la villa. Euh, on a fêté ça, si je puis, si je puis dire. Voilà. Euh, et puis c'est vrai qu'on ne connaît, connaît plus ses limites. Euh, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau de, de la fatigue, on connaît plus ses limites dans ce genre d'émissions, donc où on a du mal à les trouver. Et du coup, euh, oui, on avait beaucoup bu, on s'est retrouvés euh, bah, dans une chambre d'hôtel, tous les deux, un seul lit, enfin deux lits collés, mais donc un, un grand lit. Et forcément, bah oui, bah, comme, comme, comme j'aurais pu sortir en boîte et trouver un garçon mignon. Mais est-ce ou... qu'il a été respectueux cette première fois vis-à-vis -vis de toi, même si vous aviez bu oui, euh, il a, la première fois, oui, il a été re respectueux. Je dirais qu'on était tous les deux dans, alcoolisés. Donc, il y avait une forme de respect, oui et non. Ça s'est fait spontanément Oui, ça, pour, pour le coup, oui, la première fois, ça s'est fait spontanément. Et tu dis, j'ai euh, regretté tout de suite après. Est-ce que vous en avez parlé ensemble après ou le lendemain de cette gêne Est-ce que tu lui as dit, je regrette Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Alors, pas du tout, parce que Mathieu, c'est quelqu'un euh, d'hyper bizarre. Il est, euh, il est hyper... Euh, c'est pas réservé c'est qu'il parle pas il ne parle pas il communique pas pas du tout pas du tout il... quand il y a quelque chose qui va pas quand il y a quelque chose qui va quand il est il parle pas en fait et, et du coup on s'est réveillé le lendemain je suis partie moi le petit déjeuner je suis revenue et en fait c'était comme si c'était rien passé mmh. et du coup moi j'ai voulu essayer de parler et tout mais il était renfermé sur lui-même enfin j'ai bien vu que lui aussi regrettait il a vu que je regrettais et puis au final on a fait euh... Notre journée ensemble, mais sans se parler.